Bon, ça serait le temps là, que je fasse de quoi là? Ça fait un bon bout que j'ai pas enregistré à cause des vacances puis de rien du temps supplémentaire à job là. Donc, ça me tentait de faire de quoi. Là, je suis encore occupé, mais il fait nuit aujourd'hui, donc maintenant je veux dire. Je pense pas qu'il existe une journée qui fait pas nuit là, donc ouais. Bon, excepté peut-être en Alaska, là, mais c'est hors de la question là. Anyway, aujourd'hui, ça me tente de jouer à Mod Paper Hospital, là. Il existe en fait sur Serious Sam 3, mais on va voir c'est quoi le problème avec cette version-là. Là. Mais ok, Paper Hospital, c'est un mod qui commence à s'axer sur l'horreur. Ce qui est tout le temps quelque chose que j'étais curieux de voir là, avec le gameplay de Serious Sam. Ça peut être intéressant, là. Mais bon, là, comme on va voir, là, faut pas que j'en dise trop, là. Finalement, je peux me reposer du sang brûlant dans mes chaussures. Quoi? Oui, c'est Roche. Sam, viens vite, à l'aide, dans le 15e OPI, pièce 12-19. Pétia, Pétia, qu'est-ce qui est arrivé? Hein, réponds-moi, Pétia. Maudite merde. Attends, là, j'arrive. D'ailleurs, je dois dire, mais ce monde-là, comme pour ce premier niveau-là, ça met pas mal l'ambiance. Je vais lui accorder ça, là. Bon, je sais pas ce que je dis là, là, parce que. Bon, ok, d'abord. Bienvenue en enfer, écrit en rouge, là. Oh, yeah, c'est vrai aussi, mais une autre particularité avec ce monde-là, c'est comme toutes les textures sont faites de papier comme un Paper Mario. Non, je pense pas que ce style-là marche vraiment pour un Serious Sam, mais. Hein, pourquoi pas, là? Mais ouais, ok, enfin, je peux voir tes téléviseurs-là, là. Parce que dans la version Serious Sam 3, là, le problème, c'est comme tout d'abord, tout est horriblement sombre. Bon, ta gueule, là. Tiens. Mais ouais, tout faisait horriblement sombre, là, donc c'est ça, je voyais à peine les portes que je pouvais passer à travers. Ce qui est pas évident lorsque la lumière est flacker comme ça, mais ouais, là, je pouvais rien voir, là. Puis des fois, là, j'étais coincé dans une pièce, puis je savais pas comment sortir. C'était horriblement chiant, là. Mais aussi, un autre problème avec ce mode-là, c'est comme. Bon, tu vois là, que je prends plein de clés. Il y a en fait 4 clés dans cet étage-là, là, mais. Rien. Le problème, c'est comme il y a plein de portes, là, puis tu sais pas lequel ouvre quoi, là. Ouais. Pourquoi pas un Easter egg de Serious Sam dans ce mode d'horreur-là, là? Pourquoi pas, là, c'est sympa, là, à revoir. Mais ok, on a besoin d'une clé pour le Registration Room. Puis ok, tu peux interagir avec la porte plus qu'une fois, là, parce que dans le Serious Sam 3, là, tu peux seulement interagir avec les portes une fois, là. Donc le temps, là, que. Bon, tout d'abord, cette affaire-là, il était plus ensanglanté dans Serious Sam 3, là, donc c'est un peu dommage, là. Mais il t'arrive des fois comme t'interagis avec quelque chose, puis c'est ça, tu peux plus interagir avec, là, dans Serious Sam 3. C'était horrible, parce que c'est ça. Je savais pas quoi faire, mais je pense que Serious. Ah ouais. On a un screamer, là. Qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est ça? Ok, ouais, on peut l'éviter, là. Ouais.
c'est ça. Il y a quatre clés dans cet ange-là, puis c'est ça. Mais je pense que c'était des pilules-là, c'est juste pour décoration. Tu peux pas rentrer là-dedans. Ouais, c'est. Non seulement est-ce que tu peux pas interagir avec les affaires plus qu'une fois, là, comme par exemple cette affaire-là. Comme avant, ça te disait pas qu'il me fallait une clé magnétique. Comme je sais pas si busté, là, ce mode-là. Mais en plus de ça, dans la version, là, Sam 3, là, je pense que c'est impossible. Parce que j'ai refait les mêmes actions que K-E-1-O-N, là. Qui a enfin fait poster une vidéo en 2020 en mai, là. Puis je faisais les mêmes assurances lui, puis je pouvais rien faire, là. C'est ça, c'est. J'obtenais toutes les clés que je pouvais, puis ça faisait rien, là. D'accord, c'est busté, ce mode-là. Jouez-y sur Sam Fusion à la place de Sam 3, là, parce que moi, ça marche pas, là. Anyway, voilà donc un mini Gnome. Bon, en fait, c'est pas le mini, là. Le mini, là, il se trouve dans Joyau du Nil. Donc ça, c'est un petit gnome. C'est totalement différent. Mais on va faire attention parce qu'il peut te faire horriblement mal. Est-ce que je peux le laisser rester grand coincé sur le mur? Oh! Oh! Damn it. Je pensais l'avoir évité, là. Non, je me demande si Screamer il peut pas m'aider à le tuer. Là, comme le moment qu'il vient vers moi, je me demande s'il peut pas tuer le gnome. Ça peut être intéressant. Là. Ah, mais il se coince sur pas mal d'affaires, je sais pas pourquoi. Là. Il reste là, là. Cours, Sam. Quelle. Mais là, rentrons là. Tiens. Clé magnétique pour la porte. Ouais. Sam IF? Ouais. Quoi ça se posait à cette affaire-là? C'est-tu le profil du créateur? Putain. Oh Monsieur Gnome à la réception, là. Mais ouais, ça, je pouvais même pas le faire sur Serious Sam 3, là, juste ça, là. Et puis on peut entendre le Screamer gémir en con. Bienvenue, monsieur. Bye bye. Chose que je m'attendais pas, c'est trouver une arme. Oh my god. Je peux pas le...
Yeah, je peux le faire ça là quand même. Yeah, j'ai réussi ça, ça me fait toucher là. D'accord, on te repose pas tout de suite là. Clear! Ok là. What? Come on, je faisais bien. Hein? Rien aux alentours. Il y a que ce gnore là, il est un peu plus bête. Back. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà vu ça, mais j'ai pas toujours pas compris là. Tu me cries? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À peine il y a mal écrit là, ça. Ma tête fait mal. Wait, my head is hurt. Il a mal traduit ça en con. Non, pardonne-moi, petit A. Mais ouais, my head is hurt. Il dit ma tête est mal, là, en français, là. Et ok, enfin, on se retrouve en pleine journée, là. Je m'attendais pas à ça dans ce monde-là, mais tant mieux. Non, ça ruine un peu l'atmosphère que faisait le premier niveau, là. Yeah, ce mode-là, comme ce niveau-là, il est plus orienté à action. Ce qui encore ruine un peu là, l'atmosphère là, du premier niveau, là, je trouve. Là. Fais attention à ce maudit bozo-là. Là. Il y a quelqu'un là. Je vais y venir. What? Attends. Quoi? Je voulais casser le cou là parce que. Je voulais. Oh. Ok. On a ces bits sans compte. Je voulais casser le cou parce qu'apparemment j'ai installé un mod qui fait en sorte que ça craque lorsque tu fais l'exécution sur lui. Là. Oh well. Oh my god! Oh wow, je pense. Ce gnome-là, il est pas aussi menaçant là, que ceux-là dans Sir Sam 3, là, parce que les boules de feu, ils vont pas là où que tu vas aller, ils sont pas aussi rapides. Donc, tu peux facilement les éviter en sidestep. En faisant des mouvements latéraux, là. Je veux dire. Donc, putain, là. Oh, je peux plus jouer sur ça, machin. Quand même, il y a encore ce gnar-là, que je veux tuer. S'il est là. Il est là-bas? Oh, et puis, je m'en fous, là. Yeah! Ah ben damn it, je m'étais bloqué sur quoi là? Oh ouais. Hein, je ferais mieux de les attaquer aux champions du sud. Tu vas. Essaye-tu de s'enfuir? As-tu peur de moi enfin? Il y a 4! Alors, j'ai dit 4, il y en a en fait 5.
Et enfin, il y en avait 16, là, pis ok, je me suis fait tuer encore. Voici l'autre. Par quoi je m'étais fait toucher là, la dernière fois, là? C'est-tu le tac physique du pinot? D'ailleurs, faut que je fasse ça sur 4 points de vie, là. Bien, il y en a 6! C'est pour ça que j'ai tué le premier au pistolet seulement, c'est pour que j'aille toutes mes munitions pour eux autres. Désolé si t'entends mon pistonnage. Je pense pas qu'ils se font mal l'un et l'autre. Dommage. Je sais qu'il a l'air cool, mais je peux pas l'entendre. Peuvent se faire toucher par les balles, contrairement au jeu original. Je pense qu'ils ont ajouté cette fonction-là dans Serious Sam Fusion, comme pas de ce mode-là, mais dans le jeu original, là aussi. Qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont prévisibles, comme qu'ils peuvent se faire mal par les balles à la place de juste les exploser. Je pense à la même affaire pour les Technopilot aussi. Come on, là, je veux juste les achever, là. Ah oh, yeah, la dernière fois que je me suis touché, c'est par le grunt. J'ai juste de penser à ça, mais ouais. Oh well. C'était cool. Un peu trop tard. Je n'irai jamais là, je n'y retournerai jamais, là. Je t'écoute. Sam, paquette tes bagages et va à l'aéroport. Maintenant, tu vas aller à Alexandria. Où? L'Égypte? Encore à l'Égypte? Je ne veux plus revoir l'Égypte! Vend. Passant le Vend, là, ça vient de Space Ninja 88, je pense. Не хочу больше озвучивать. Ну, ouais, c'était Paper Hospital, là, un peu trop court, je trouve, pis ça a pas vraiment assouvi ma faim là, pour Serious Sam Horror, là, malheureusement. Là. Non, je pense que c'est plus Cry of Fear qui a réussi à me remplir à dents creuses là, de tout ça. Là. Ben, yeah, anyway, c'est tout pour le moment, donc, ouais. Bye!